Hey, salut tout le monde, c'est super fou, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour une petite vidéo, donc glitch d'argent. Donc désolé du retard, parce que du coup moi la vidéo ça marchait pas, le glitch marchait pas, j'arrivais pas à le faire. En fait je me prenais comme un pied, donc du coup je remercie deux personnes, Tuto Facile France, parce que c'est grâce à lui que je fais le glitch, et voilà, bah, c'est lui qui fournit, et je remercie Anto, c'est grâce à lui que j'ai réussi de façon à faire le glitch, donc du coup ça marche, je me suis fait un peu thune. Et en fait, c'est très simple. Donc il y aura deux liens dans l'activité, dans l'espace commentaire de la vidéo. Donc vous allez sur les liens. Il vous faut bien sûr un QG des motards. Donc n'importe lequel, vous prenez un QG de motard, soit un étage ou pas d'étage. Dès que vous avez le QG des motards, il vous faut bien sûr le Santos Custom dedans. Donc vous faites l'activité, vous faites dans le favori, course. Donc c'est course tuto facile France. Donc vous la lancez. Donc vous allez voir. Mais c'est très 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 simple, mais un peu dur à faire. Vous allez voir, parce qu'il faut enfin en même temps, faut jouer aux fléchettes et faut spam en fait la flèche de droite et A en même temps. Donc c'est pas facile. Donc vous la mettez en course parcours GTA. Vous choisissez la voiture que voulez-vous dupliquer. Donc moi je vais prendre super sportif. Donc je lance, vous allez choisir du coup la voiture, donc il faut le faire en solo, donc c'est bien en solo, faut être tout seul pour le faire, faut pas être à plusieurs, je précise. Et après vous pouvez dupliquer les autres voitures qui sont dans la rue, c'est comme vous voulez de toute façon. Donc soit vous prenez la voiture que vous voulez, donc la Nero, la ATT ou n'importe laquelle. Moi je vais continuer sur la Nero, vous faites confirmer. Donc voilà, c'est très simple. Si vous n'avez pas trop compris, je mettrai le lien de la chaîne de Tuto Facile France, comme ça peut vous aider. Donc vous attendez un peu, vous faites à rien pour l'instant. Vous allez voir, vous allez spawn dans le bâtiment. Vous vous inquiétez pas, c'est normal. Là, vous sortez. Ça va le sortir tout seul, vous faites à rien. Il faut attendre le chrono. Et il faut attendre un tout petit peu. Et après, vous faites Y. Donc il faut refaire Y pour revenir, ou triangle pour revenir dans le bâtiment. Vous allez respawn dans la voiture. Vous sortez directement de la voiture, vous faites Y. Vous courez direction le truc des fléchettes, et vous faites A, j'ai pas eu le temps, vous faites flèche de droite A, mais faut spammer en fait les deux en même temps, donc c'est pas facile, donc on réapparaît, vous allez apparaître dans la voiture, vous sortez directement de la voiture, vous faites Y ou triangle, voilà, A, du coup ça m'a fait spawn en bas, c'est pas grave, de toute façon ça marche pas à chaque fois, vous faites ça, vous allez voir, c'est très simple, donc moi aussi j'avais galéré pour le faire, donc hop, je respawn à l'intérieur. On va attendre que la voiture se pose tranquillement pour sortir, pour faire triangle. Voilà, vous faites triangle. Ah, j'ai pas eu le temps. Donc c'est pas grave, vous refaites ça. Hop, ça va respawn. En fait, donc l'image, si ça bug un peu, c'est normal, vous inquiétez pas. Vous attendez un peu. Donc que ça charge. Mauvais sens, c'est normal. Et dès que vous voyez la voiture, vous faites triangle une seule fois, vous courez directement le... direction le truc de fléchette, vous faites croix A à chaque fois, flèche de droite plutôt, voilà comme ça, flèche de droite A en même temps, vous allez voir, vous allez faire un jeu de fléchette, donc vous pouvez lancer une flèche si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de jouer entièrement, vous faites quitter comme moi, hop, le jeu de fléchette, vous descendez, donc hop, dès c'est fini vous descendez, donc vous faites comme moi dans la vidéo, donc vous sortez du le Santos Custom, ça va être très simple, regardez, c'est pas très compliqué. Désolé du retard, j'espère que ça va vous plaire vraiment. J'en fais pas souvent. Donc du coup voilà, c'est Anto qui m'a aidé quand même. Parce que sinon sans lui j'arrivais pas à le faire. Et genre ici. Donc je suis content. Vous prenez un véhicule dans la rue, soit une moto, un scooter ou n'importe lequel, il faut ça rentre dans un garage. Donc bien sûr qu'il faut. J'ai oublié de vous préciser, il faut remplir des. Dans vos garages, il faut remplir des voitures. Ou pas obligé de toute façon. Donc il vous faut au moins une voiture, soit la Nero dans le garage, si vous custom la Nero ou la, je sais pas, par exemple, vous custom la T20, il vous faut au moins une T20 dans le garage. Et en fait, ça va remplacer les autres véhicules par la T20 ou les emplacements qui sont vides par la T20. Donc moi, du coup, je vais aller à l'endroit du garage du PDG. J'en ai plein d'autres à faire, j'ai au moins une trentaine à faire. Donc j'ai quoi m'amuser. Donc faut que je le fasse avant que ça soit... comment ça s'appelle ? Bah pas ban, mais avant qu'il se soit patché, voilà, cherché en fait. Donc voilà, vous avez pris un véhicule dans la rue, même une moto, ça marche quand même, vous inquiétez pas. Donc vous, tout simplement,
allez direction le garage. Moi je vais au plus près, c'est celui-là. Mais sinon, si vous avez un autre garage, vous allez dedans. Vous prenez un véhicule. Donc vous faites comme moi dans la vidéo. Hop là. Donc vous inquiétez pas si ça vous met mauvais sens. Vous pouvez faire ça tout le temps de façon. Il y a juste une fois pour faire le truc de fléchette. En fait, c'est ça qui est plus galère. Et après, ça marche. C'est très simple en fait. Donc hop. Donc là, vous allez voir la petite sémantique. C'est vraiment stylé. Ça marche. Donc je vous conseille de ne pas inviter du monde pour faire la course parce que ça marchera pas. Donc voilà les autres voitures qui sont là. Donc vous remontez sur la moto. Vous ressortez. Donc on va arriver demain. Vous faites Y. Ça va nous faire spam. Spam, désolé. Spam dans le truc du QG. Et vous allez voir, on va voir la voiture. C'est très simple. Dès qu'on a la voiture, on ressort, on fait flèche de droite. On sort, on rentre dans la voiture, on fait flèche de droite, désolé. Donc voilà, vous faites triangle, ou Y, vous remontez dans la voiture, flèche de droite, comme je vous disais. Comme ça. Hop, ça va modifier, vous modifiez juste les plaques, j'allais dire le pare-choc, mais non, les plaques. Donc hop, on va dans les plaques. Plaques, et vous changez les plaques de la voiture. Vous faites B, retour, juste ça. Hop. Donc ça va retourner, vous allez respawn en haut à l'étage, si vous avez un étage ou pas, ça dépend en fait. Et dès que c'est ça, vous faites Y, vous ressortez et vous recommencez la manip, c'est très simple. Donc je réexplique encore une fois. Dès que vous arrivez ici, vous faites juste fléchette, croix, flèche de droite, A, flèche de droite, A, en fait il faut spammer. Dès que c'est fait, vous lancez, vous remontez dans la voiture, vous redescendez plutôt, dès que vous êtes en fait au niveau du jeu de fléchettes, dès que c'est fait, vous descendez, vous allez chercher un véhicule dans la rue. Donc vous inquiétez pas, vous prenez n'importe lequel, vous allez dans un garage que vous avez, soit un garage de PTG ou un autre. Vous prenez un véhicule, vous allez dedans. Dès que vous êtes dans le garage, je vais refaire en même temps comme ça, mais je vous explique en même temps, comme ça vous êtes tranquille. En cas où c'est des personnes qui n'ont pas compris, je préfère préciser encore une fois, parce que c'est vrai, c'est pas si facile. Et du coup, je préfère préciser encore plus d'une fois. Donc vous prenez un véhicule comme moi. Vous allez dans le garage, donc n'importe lequel de toute façon. Et du coup, vous rentrez avec un véhicule, vous ressortez. Donc vous remontez dans le véhicule. Et vous ressortez, bien sûr, comme moi je fais. Et après tout ça, vous faites Y ou triangle. Ça va vous faire revenir dans le magasin. Dans le bâtiment. Vous faites changer, vous sortez. Vous remontez dans la voiture, vous faites flèche de droite. Vous modifiez la plaque et après c'est bon, c'est ok, vous avez la voiture du coup en double. Donc allez voir quand même dans le garage si ça a bien marché. Donc vous revenez dans le garage que vous avez et vous regardez si ça a bien marché. Donc désolé si je me mélange un peu dans les pinceaux, mais je suis content en fait de faire un glitch pour une fois. Je suis pas très fort à la base, je suis pas dans mon domaine bien sûr. Je suis pas un pro comme Tuto Facile France ou les autres youtubeurs. Donc moi c'est pas mon but à la base, mais ça me faisait plaisir de le faire parce que je suis content. Donc c'est très simple, je vous laisse regarder la vidéo. Si vous n'y arrivez pas, vous regardez tout simplement la vidéo de Tuto Facile France. Et si vous n'avez pas réussi, dites-moi le dans les commentaires avant que ça soit vraiment spam. Parce que la vidéo, le tuto elle est sorti vendredi si je ne me trompe pas. Donc ça va être spam au plus vite je pense. Mais si c'est pas spam, profitez. Oui voilà, si c'est pas fait. Voilà la voiture, vous avez vu, j'en ai plein. Donc après vous pouvez les rejoindre. Par contre pour quitter la course, vous devez finir obligatoirement la course. Pour finir, il faut vraiment finir la course si vous les quittez. Et ça va faire bugger le jeu. Après vous avez juste à redémarrer le jeu. Parce que dès que vous avez fini la course, j'ai oublié de vous dire, en fait ça va bloquer. Ça va faire bugger. Et après du coup vous avez juste à vous relancer le jeu. Puis ça va marcher tout simplement. Hop, quand vous êtes sur le toit comme moi, vous faites Y et voilà, ça va marcher. Donc si vous avez des soucis, dites-moi les dans les commentaires. Moi je viendrai vous aider et vous dire. J'espère que ça marchera encore. Dites-moi les vraiment dans les commentaires, ça me fera super plaisir. N'oubliez pas de laisser un maximum de j'aime, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et de me dire si ça marche encore ou pas. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Et encore merci à Tuto Facile France et à Anto. Moi ça m'a fait super plaisir. Et je vous dis à très vite et ciao bye bye, salut tout le monde. Bon game à tous, salut.